La coupe grecque a été fabriquée en terre cuite au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Cette coupe a été faite pour boire. Ce qui est représenté sur ces objets est lorsque Œdipe arrive à Thèbes. Il se trouve confronté au sphinx qui assiège la ville. Ce dernier lui pose une énigme. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir? Œdipe répond juste. C'est l'homme qui, au matin de sa vie, se déplace à quatre pattes, au midi de sa vie, marche avec ses deux jambes et qui, au soir de sa vie, s'aide d'une canne, marchant ainsi sur trois pattes. Les habitants, pour le remercier d'avoir débarrassé le pays du sphinx, en font le roi de Thèbes et lui donnent la main de la reine qui est veuve. Le vase a été fabriqué en terre cuite en 440 avant Jésus-Christ en Stamnos en Attique. Ce qui est représenté sur ces objets est lorsque Œdipe arrive à Thèbes, il se retrouve confronté au sphinx qui assiège la ville. Ce dernier lui propose une énigme. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir? Œdipe répond juste. C'est l'homme qui au matin de sa vie se déplace à quatre pattes, qui au midi de sa vie avec ses deux jambes et qui au soir de sa vie s'aide d'une canne marchant ainsi sur trois pattes. Les habitants, pour le remercier d'avoir débarrassé le pays du sphinx, en font le roi de Thèbes et lui donnent la main de la reine qui est veuve.